Ouais, mieux. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis content. Aujourd'hui, on va faire un petit unboxing et début d'un nouveau custom, d'un nouveau bricolage. Et d'un truc que je veux faire depuis très longtemps, basé sur une réplique que j'adore et que j'ai jamais eu l'occasion encore de posséder. Et vous allez voir, je vais vous détailler le projet. Pour le coup, ce ne sera pas un projet comme le Tabouk où vous allez juste voir la fin du projet, ce que ça va donner. C'est un truc que je vais vous détailler entièrement. Il y aura beaucoup de vidéos. Chaque étape vraiment importante du bricolage sera faite, vous sera montrée. Et voilà, ça va faire beaucoup de vidéos. Ça va faire un fil rouge pendant un bon moment. Et on va bricoler ça ensemble. Et ça va être vraiment cool. Donc on va déjà commencer par ouvrir le colis. Tac, donc je sors mon petit couteau et j'enlève ça. Bah, c'est quoi ça? Tiens, c'est pratique ça. Déstockage Games. Donc comme vous l'avez compris, cette vidéo, cet unboxing et ce projet est sponsorisé par Déstockage Games. Donc Déstockage Games que je remercie bien chaleureusement. Normalement, il y aura, si tout se passe bien, d'autres partenaires qui interviendront dans ce projet par la suite. Mais le gros du projet, c'est ça. Donc le sponsor principal sera Déstockage Games et je les remercie énormément pour me soutenir dans ce projet. Et vous trouverez dans la description le lien de la réplique et mon code promo qui vous permettra d'avoir 5% sur le site de Déstockage Games. Donc on va ouvrir. Oh, quelle saloperie, putain, s'il coupe. Oh, oh, oh. Alors je ne sais plus si vous l'aviez déjà vu, celui-là, c'est un petit carambit de chez Eben Knives. Je crois que je vous l'avais déjà montré en vidéo. Et cette saloperie, putain, je ne l'ai jamais affûté. C'est un rasoir. Tac, tac, ça, hop, ça, c'est de la paperasse. Tac, tac, tac. Une boîte dans une boîte dans une boîte. Allez, oh, deux zouz. Allez, rip le carton. Hop. Là. Ça. Et casse-toi. Là. Voilà. Hop. Du coup, hein. Je pense que vous savez ce que c'est. Oh. Et en plus, elle est pile dans le bon sens. Si c'est pas beau, ça, même pas calculé. Vous l'aviez déjà vu sur la chaîne, mais il y a déjà longtemps, il y a très longtemps. Je ne veux même pas voir la tronche de la vidéo. J'ai peur. Mais elle n'était pas à moi. Et j'avais jamais eu l'occasion de la voir. À moi, il s'agit de la Sten MK2 AGM, donc la version Sten AEG. Ouh, elle a froid. Avec le petit bout orange, bon, c'est pas grave, ça se sera modifié par la suite. Je me souviens bien. Voilà. Ah là là, cette Sten. Ça fait tellement longtemps que je voulais vraiment en avoir une pour moi. Et chargeur, à la batterie. Pff, ces vieilles batteries NIMH, honnêtement, je pense que je vais même pas chercher à m'en servir.
Un petit bibelot d'or, bon bah ça, hein, ça sert toujours, ça c'est la clé pour démonter la crosse, c'est pas une clé pour le pop normalement. Ah bah il y a un bouchon noir. Ça c'est le bouchon orange pour le marché américain, il y a le bouchon noir avec. Ça pareil, c'est chargeur. C'est chargeur, moi je les garde juste au cas où j'ai besoin de câble en fait. Du câble et d'une connectique en général, je garde juste ça, le transfo je jette. Et une tige de nettoyage, ça c'est bien. Ah, la stène AGM. Donc si je me souviens bien, ça, on soulève, tac, on met en position ici, ça se verrouille. Et on vient mettre le chargeur ici et on ne tape pas dessus, hein, comme dirait Chef Pampan, sinon je me fais engueuler. Tac, voilà, pour venir insérer le chargeur. Ah, cette stène. Oh, je m'assois un peu. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle. Enfin, elle est belle. Elle est pas dégueu. Elle est pas dégueu. Il y a un peu de... Il y a deux, trois choses à faire, mais honnêtement, elle est pas dégueu. Cette stène. Je m'installe un peu mieux et je vous explique le projet. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Hein? Ça fait longtemps que j'avais cette idée de projet en tête. À la base, je ne voulais pas le faire sur la stène, mais l'autre idée que j'ai eue est complètement tombée à l'eau. Je veux la moderniser. Allez, je pense que vous avez deviné, certains ont deviné depuis longtemps ce que je voulais faire. Ça fait très longtemps que j'ai cette idée-là. En plus, la vidéo récente de Garantsum m'a motivé encore plus. Je veux en faire un custom tacticalisé et modernisé à mort. Donc voilà, ça va être un projet un peu de... qui va demander beaucoup de boulot. Rajouter des rails, rajouter une vraie crosse, rajouter une poignée. Parce que bon, cette poignée, là, c'est juste pas possible. Hein. Ça se fait, mais déjà, en plus, le bord du métal, il est un peu saillant, donc c'est pas ouf. Rajouter de quoi mettre un silencieux, éventuellement un traceur. Essayer de lui rajouter du semi, hein, parce que c'est une V7 sans cut-off lever, donc il n'y a pas de semi. Upgrader certainement un peu, histoire d'avoir un petit truc qui tourne quand même vraiment bien. Et essayer de se faire un petit custom vraiment sympa. Des stands tacticalisés, il y en a déjà plein. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ont été faites. J'ai pas envie d'en copier une en particulier, donc j'ai pris les idées, j'en ai enlevé d'autres, de beaucoup de modèles que j'aimais bien. Donc j'ai fait un mix un peu de tout pour me faire ma version qui sera vraiment un petit peu plus personnelle. Mais, oh c'est mire, mais il y a vraiment moyen de se faire un truc de ouf. Et voilà, chaque étape vraiment importante du custom sera fait en vidéo. J'ai déjà commandé une partie des pièces, j'ai déjà trouvé une partie des pièces dont j'ai besoin. Donc je vais attaquer avec ce que j'ai le temps que le reste arrive. Je vais filmer ça un peu tout dans le désordre, mais chaque fois qu'une partie sera finie, l'épisode sortira. Et on se fera un petit truc sympa à la fin pour résumer le tout et la montrer vraiment terminé. J'ai hâte de commencer, vous imaginez même pas, c'est un projet que je veux vraiment faire depuis tellement longtemps. Et je remercie encore une fois énormément des Stockage Games qui me suit dans ce projet et dans cette nouvelle aventure de bricolage. Voilà, j'en ai terminé avec ce qui va être plus ou moins l'épisode 0 du projet, comment on l'appelle, Tactisten. Tactisten, c'est pas mal, bref. J'ai vraiment hâte d'attaquer, je vais attaquer, là, dès que j'ai fini le montage de cette vidéo, j'attaque. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire de la vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Encore un énorme merci à des Stockage Games pour leur soutien. Comme toujours, merci d'avoir regardé. Salut, salut, airsoft et bien. Et à la prochaine.